Je m'inspire. Bonjour. Bonjour à tous. Moi, c'est Lysandre. Salut Lysandre. Moi, c'est Emma. Et on se retrouve aujourd'hui pour le podcast numéro 4 avec une invitée de luxe. Oui, voilà. Chez qui je suis invitée. C'est vrai. J'ai invité chez moi. Oui, chez Emma alias Tricolibri. Merci beaucoup. Avec plaisir. Je tenais déjà à tous vous remercier pour les derniers commentaires sur les derniers podcasts au final, puisque j'ai eu énormément de commentaires sur tous mes derniers podcasts, une espèce de vague de gentillesse et de bonheur. Et même si je réponds pas à tout le monde parce que c'était les vacances et tout ça, je les lis tous et ça me fait très très plaisir. Et tous ceux avec Théoxane aussi, ma petite soeur, sur le dernier épisode, on les lit à deux et à chaque fois ils vont me voir le matin. Alors on a des nouveaux commentaires. Oui, ils aiment bien les petits. C'est marrant, hein, chez moi c'est pareil, mais ils aiment bien. Donc Théoxane est super contente et se motive encore plus à faire plein de projets pour sa petite page Instagram, parce que voilà, Théoxane a une page Instagram que pour le tricot. Et elle est super contente parce qu'elle dit « Ah, oh, regarde, il y a de nouvelles personnes qui se sont abonnées !» Et elle est super contente. C'est adorable. Est-ce qu'un jour vous retournerez ensemble ? Je pense ouais, qu'elle est tellement aimée. Mignon. Ouais. Et puis moi, j'aime bien avoir quelqu'un, en fait, ça fait une présence. Tu parles pas toute seule avec ton téléphone. Ouais, elle posait plein de questions que j'avais pas forcément... Elle me dit, sinon tu trouves que c'était simple? Ah oui, c'est vrai, cette question-là, j'y ai pas répondu. C'est vrai que quand on est à deux, c'est plus reposant parce qu'on peut rebondir sur ce que dit l'autre. Et si tu oublies quelque chose, il y a une petite piqûre de rappel, t'es pas obligé de refaire des indentations d'images pour dire, ah, j'ai oublié de parler de ça. C'est ça. Ouais. C'était vraiment, vraiment sympa. Donc, désolée de pas répondre à tout le monde, mais sachez que ça me fait très, très plaisir. Et à Théoxane aussi. Et ça nous va droit au cœur. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, que je n'avais pas tourné depuis longtemps parce que ça a été les vacances. Et que pendant les vacances, je suis partie au Portugal. Donc, j'ai pas tricoté. J'ai pris vacances sans tricot. Donc, j'avais pas beaucoup tricoté. 10 jours sans toucher une maille. C'est fou. Mais ça m'est pas arrivé depuis très très longtemps. Je n'ai pas touché une maille pendant 10 jours. Ouais. Mais ça me manquait quand même, tu vois. Ouais. Tu sentais que le soir, on dit bon, bah, on est dans le canapé, on fait quoi? Et bah, c'est un sauvage. Fait, pour avoir les mains tout le temps occupées, tu vois, on joue au Uno. Oui. Parce qu'il fallait que mes mains, il y ait quelque chose dedans et je pouvais pas ne rien avoir dans mes mains. Donc on jouait énormément au Uno. C'est ce que je disais à Madame Bibiche, tu sais, Céline, le podcast See You Later. Je lui disais, ce qui est bien, c'est quand t'emportes ton tricot à l'apéro ou chez des amis ou quand t'es invité à dîner, c'est que tu bouffes moins, tu craques moins sur la cacahuète et tu fumes moins si tu es fumeur, tu bois moins parce que t'as les mains occupées. Donc là, toi, tu joues au Uno. On a joué au Uno, mais on a fait des parties pendant 10 jours, on y jouait 1 à 2 heures par soir. Ouais. C'est sympa, hein? Non, mais c'est sympa aussi. Nous, on compte les points et tout. C'est très... Le Uno, c'est tout un art. Et du coup. Alors, raconte, qu'est-ce que. T'avais des projets en cours que t'as laissé en cours ici et t'es partie sans rien? Ou est-ce que c'est parce que. Ah non, mais en fait, j'avais énormément tricoté pour Alexia, qui attend un bébé. Donc, j'avais fait de la layette à fond les ballons. Pour lui emporter au Portugal. Pour lui emporter là-bas. Et en fait, j'avais fini les projets qui me préoccupaient. Et du coup, j'ai pu partir l'esprit serein. Avec des objets terminés, finis. C'est ça, et puis à offert. Et ça me faisait plaisir parce que ça lui a énormément plu. Puis j'ai pu les prendre en photo avec les beaux carreaux portugais en fond. J'ai pas mal de photos avec les beaux carreaux derrière, faire des belles images. Ouais, il y a une inspiration. Oui, et on en a tiré des bénéfices. Bientôt, je vous dirai. De l'inspiration. Ouais. C'est ça. Au niveau des projets, alors il y a les projets terminés, les projets à moitié terminés, les projets en cours et un petit cadeau que m'a fait ma maman. Il y a plein de trucs là et moi je ne les ai pas encore vus, je vais les découvrir avec vous. Je cache. Et un cadeau que tu as fait à la main en termes de... que m'a fait ma maman en termes de laine. En termes de laine. Donc pour la remercier et voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on porte? C'est un cadeau de ma maman aussi que je porte. C'est les magnifiques Zweig offerts par ma maman que j'ai. Très beau. C'est rare hein, d'avoir une aussi jolie version. Moi, franchement, je te dis, c'est pas mon truc ce modèle-là. Mais là, oui. Là, il est très simple. Il est très bien. Il a trouvé. Ou le contraste n'est pas. Tu vois, il y en a qui font très clair et très très foncé.
Et en fait, le fait qu'il y ait des petites taches et tout, il est vraiment... Ça se mélange bien, c'est moderne, ça fait pas... Y a pas y a... Ouais, merci, maman. C'est magnifique. Ah, maman... Bah, d'ailleurs, c'est en fait de l'avoir tricoté tout le temps qui m'a donné envie de tricoter, parce que maman tricotait bien longtemps avant moi. Et c'est parce qu'elle t'a tricoté et qu'elle faisait des puces que je dis, ah, moi aussi, je veux faire. C'est vachement bien, mais on n'est pas forcément comme ça. Il y a une de tes sœurs qui tricote pas. Non, il y a une de mes sœurs qui tricote pas, mais tu vois... Au final, moi je me suis rendu compte, je me suis dit, bah attends, je vais me rapprocher de ma maman. Pour me rapprocher de ma maman, on va peut-être partager le même loisir. Donc je lui ai dit, allez, vas-y, apprends-moi. Et au final, je suis mordue comme pas possible. Et t'es pire qu'elle. Donc t'es presque pire parce que toi, tu commences à créer des patrons, ta maman, elle en a pas fait. Non, ma maman, elle en a pas fait. Mais. Ouais, sur 4 filles, on est 3 mordues de tricot. C'est génial. C'est sympa. Quelle chance. C'est sympa. Ouais. Sur ce, en projet terminé, j'en ai. 1, 2, 3, 4. Et il y en a un qui est resté au Portugal, donc j'en ai parlé assez rapidement parce que je t'en avais déjà parlé, Emma. Et je mettrai la photo parce qu'il est au Portugal. Après, en demi-terminé, il y en a 3. Et les en cours, il y en a. Pas beaucoup. Hein. Les autres, je les ai laissés chez moi parce que sinon, après, ça me force à devoir les finir. Je veux comment c'était nouveau truc. Attends, oh, t'as pas le droit. Donc voilà. Prenez quelque chose à tricoter avec nous pendant que Lisandre vous raconte. Prenez quelque chose éventuellement à boire et puis c'est parti. Et let's go. Let's go. Premier projet terminé, c'est le Lafin Bonnie Odile de From Cynthia. À savoir que je l'ai offert, mais qu'il est resté au Portugal, mais que j'ai une autre version que j'ai déjà faite, donc je vais pouvoir vous le présenter. Parce qu'il faut savoir que ce petit lapin, j'en ai fait 5. C'est du boulot, hein. J'en ai fait 5, ouais. J'en ai fait une fois, le premier pour ma fille, en me disant je vais lui faire un petit cadeau et tout ça. Et puis mon chéri m'a dit, c'est sympa ça, pour mon anniversaire, j'aimerais bien un lapin. Si tu veux un lapin pour ton anniversaire. Et du coup, celui que je vais vous présenter, c'est celui de Chérie. Parce que je lui ai fait son petit lapin. Ah, je savais pas qu'il était pour lui, je l'avais vu la dernière fois. Ça, c'est mon chéri. Oh, c'est adorable. Donc, et puis, ça change d'un truc forcément utile. Je trouve que c'est encore plus... Le geste est encore plus sympa. Sauf que ça fait quoi? Une semaine qu'on a dit qu'on tournait. Donc, une semaine que je lui ai pris et tu me le rends encore pour lapin. Donc celui que j'ai fait, il est au Portugal, mais ça c'est 100% le même. Juste, j'ai pas fait le même habit parce que la maman voulait pas les boutons pour le bébé. Mm-hmm. Donc voilà. Alors, j'aime bien cette avalanche de petits boutons comme ça. Ça donne vachement bien. Mais pour un bébé, je conçois que... Oh, pas trop petite... en anglais. Ouais. Tu l'as pris en anglais, mais Cynthia Vallée, elle est française. Ah, moi j'ai tricoté en anglais. Et moi j'ai tricoté en anglais aussi. Je savais pas qu'il était en français. Bah, parfait. Nickel. Mes notes sont par terre, je regarde pas mes pieds. Laine, en fait, pour le corps, moi il me faut une pelote d'alpaca de Drops. Ok. Comme ça, c'est tout. Toute une pelote, hein. Non. Il t'en reste? Il m'en reste à la fin. Ok. Que je mets de côté, mais je les pèse pas, donc je sais qu'il y a un reste. Mmh. Donc une pelote, tu sais pas quoi faire, tu fais un lapino, quoi. Ouais. Et ça s'enlève, ça? Ouais, ça oui, s'enlève. Oui, d'accord. Ouais, c'est tu l'habilles. Attends, parce que je galère. Donc voilà, aiguilles, c'est des aiguilles à chaussettes que j'utilise. Donc je suis en 2,5. Magic loop ou deux points de double pointe? Non, magic loop. En fait, moi je fais un truc de maman, on prend les doubles pointes, mais on en met deux. Deux paires de doubles pointes. Mm-hmm. Tu vois? Du coup, en fait, tu peux faire en rond. Sans faire de magic loop, mais en ayant des grands câbles. Je la refais? Oui. Tu prends des aiguilles, genre une aiguille comme ça. Ouais. Sauf que là j'ai une aiguille et de l'autre côté j'ai une aiguille aussi. Ah oui, d'accord, ok. Et j'ai une autre, enfin j'ai deux paires, donc une pour devant et une pour derrière. Ah oui, d'accord, ok. C'est pas des aiguilles double pointe en bambou. Tout possible. Toutes droites, non. Elles ont un câble souple au milieu. C'est ça, d'accord. Mais il y en a deux. Oui. Donc voilà, j'ai fait avec ça l'explication du patron, bah, comme tu disais, pour ta petite tortue, qu'est-ce que c'est là? C'est bien, hein. Le cheminement de Cynthia Vallée dans ce qu'elle nous raconte au fur et à mesure qu'on façonne le personnage est vraiment une histoire dans laquelle elle nous embarque en fait.
au niveau de la zéro couture, tout d'un coup. Petite queue, j'adore. Tu veux qu'il te voie? Coucou. C'est trop mignon. Ça tient bien? Ça tient bien. Et ça aussi, c'est tricoté avec le reste? La petite queue? La petite queue. Tu la rajoutes pas à la... Tu commences du bout du nez. T'avances. Tu laisses, elle te dit si tu veux mettre tes yeux en truc plastique, oui, tu l'en mets maintenant ou alors tu mets un petit marqueur pour le faire après. Elle te dit pareil de juste marquer les mailles pour les oreilles. C'est très précis, tu fais tout. Où tu mets tous les. Elle risque pas de toucher. Il y a des photos. Donc tu sais comment tu dois bien mettre ta lèvre et reprendre derrière. Tu continues. Elle, tu laisses, tu marques où est-ce que tu vas mettre ta queue après. Et tu continues, tu laisses ouvert en entrejambe. Et en fait, après tu fais les oreilles, après tu fais la queue, tu bemoltonnes, tu fermes l'entrejambe et c'est fini. Ouais. Tu fais des petites broderies et puis terminé. Pour les broderies, moi c'est du fil DMC que tu mets en double et puis roule ma poule. C'est très mignon. Et j'ai vu qu'il y en a qui mettent, je sais pas si tu connais, c'est comme l'encre pour les tampons. Mais sur les joues pour faire des petites joues roses. Ouais, on fait ça en crochet surtout, je crois. Et celui que t'as fait pour ton futur neveu ou nièce, il est comment? Il est au Portugal. Il est tout pareil. T'as une pareille photo à mettre? Oui. Okay. Il est tout pareil, c'est juste que je lui ai fait un petit pull. Mm-hmm. Un petit pull crop. Il fallait prendre l'avion, donc j'ai vite rabattu avant de prendre l'avion. Au pire, c'est bon, c'était terminé et on partait pour Lisbonne. Et j'ai pris ces modèles de pull, j'ai juste changé le point de devant et j'ai pris le point de mon talon des chaussettes Nolinsock que j'adore. Ah mais ça oui c'est... Et du coup sur le devant, il a ce magnifique point des chaussettes Nolinsock. Mais est-ce que c'est pas du point brioche c'est comme ce qu'il y a dans le Honeycomb clutch de petite knit. Tu sais le petit clutch là qu'on voulait faire? Je sais pas. C'est très épais comme texture. Ouais, on en parle après. On en parle après. Peut-être spoil. Et du coup, le molleton, je sais pas où toi tu l'as trouvé pour ta tortue. Dans un vieux coussin qui était éventré, qui allait partir à la poubelle ce jour-là. Mais moi j'ai compté l'acheter juste en molleton et c'est une personne âgée dans la file d'attente. Qui m'a dit mais madame pourquoi vous voulez du molleton? Je dis bah c'est pour rembourrer ma peluche. Qui me dit oh non ma petite, prenez pas ça là, allez dans un magasin de meubles et prenez un truc tout simple, ça coûtera 4 euros, ici c'est 9 et il y en a 3 fois moins. Et la personne âgée, je dis écoutez merci beaucoup, comment vous savez ça? Enfin, avec ma femme on fait des coussins, on fait pareil, c'est mon bon tuyau, allez-y. Et au final, je l'ai écouté, je suis allée chez Casa. J'ai pris un coussin. T'as acheté un coussin? Et mais j'en ai. Et ça fait 5 lapins que je fais. Et il n'y a qu'un tiers du coussin qui est utilisé, quoi. Ouais. C'est fou parce qu'en fait, ça coûte moins cher d'acheter un produit fini qu'un matériel pour fabriquer. Exactement. Et le molleton, il est pas génial. Logique, c'est fou. Et du coup, merci au petit monsieur qui m'a donné les bons tuyaux. En fait, moi, j'avais fait à peu près pareil puisque c'était un coussin éventré de la chambre d'un des enfants qui m'a servi. Et c'est quand même bien transportable un coussin parce que tu mets une pince à linge et puis tu le ranges. Oui, tu le ranges, c'est ça. Ouais. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre là-dessus? C'est trop cool parce qu'elle donne plein d'habits différents pour les habiller. Donc t'as le pull, t'as le pyjama. T'as la robe, tu peux lui faire une petite robe. Oui, ça peut être une fille, Odile. Là, t'as fait un garçon, mais ça peut être une... C'est mon chéri. C'est une fille, oui. Voilà. Et tu peux lui faire des bottes. Et tu peux lui faire des chaussettes. Des bottines et des chaussettes. Et pour l'histoire, j'avais fait du coup le lapin pour Théo, pour mon chéri. Et puis, je l'ai montré à mon grand-père qui me dit « Oh, c'est beau, tu voudrais pas m'en faire un pour Noël ?» Alors du coup, Noël dernier, j'ai offert aussi le lapin à mon grand-père. Qui lui me dit que c'est les petites chaussettes, elles partent. Elles sont ma grand-mère les a cousues. Oui, tu mets un petit point. Oui. Et tous les soirs, il va faire coucher son nana. Et puis il lui parle. Le retour en enfance, on sait très bien. Et du coup, c'est un truc de fou, comme tous les hommes de mon entourage veulent tous leur petit. Mais c'est adorable. C'est unisex, c'est très mignon. Moi, j'avais beaucoup aimé ma tortue de la même designer. J'aimerais bien en faire d'autres, ouais. Moi, j'ai regardé là les autres animaux qu'elle présentait et c'est le petit ourson. Le toutou vert. Il est trop beau.
Le petit tourteau avec un peu de... Moi, j'aime le faire avec un peu de mohair pour qu'il ait, tu vois, les petits poils. Ouais. Tu peux t'amuser avec plein de textures aussi, ouais. Donc, le prochain, je pense que, ouais, c'est le... En tout cas, c'est des patrons qui prennent 32 pages, t'as vu ? Ils sont très longs. Ils sont très longs, mais ils sont vraiment très bien expliqués. Et ça vaut le prix que ça coûte, hein, parce que quel boulot ! C'est très, mais très, oui, très il a été rapide. Dans 2-3 jours, mon lapin était terminé. Bah, c'est une toute petite pièce quand même. Oh, j'ai le ventre qui gargouille à fond, ça s'entend peut-être. Ok, c'est pas grave. Donc, trop, trop sympa. Bien, ah oui, on va le mettre là. Je sais pas où tu veux. Il tient ? Non, mais attends, regarde. Hop. Voilà. Ça soit bien, Odile. Donc ça, mon chéri, il est content, il va pouvoir le récupérer. Bon, on en aura pris soin, hein, tu lui dis. Ah bah voilà. Voilà, voilà. Le deuxième projet que j'ai pas, c'était ma barboteuse. Tu te souviens, je t'en... Eh oui, mais t'as une photo ? Oui, mais non, mais tout va être mis... Parce que moi, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu fini. Non, tu l'as pas. Je te l'ai vu en morceau. Ouais. Qui est un patron français d'une petite barboteuse pour naissance bébé que j'ai fait en alpaca de drops également. Et par contre, qu'est-ce que... la prise de tête. Je te l'avais dit que je prenais la tête, parce qu'au départ, je pensais que ça allait être en rond, sauf que c'était des empiècements. Ouais, donc il fallait c'était coudre. Tout à coudre. Je me souviens. Mais après, les finitions, il faut que tu refasses après. Par contre, alors, j'ai failli le balancer 3 fois, on va pas se mentir. Donc, qu'est-ce que je suis contente du rendu final. Ah, super. Mais il y a des... Et j'ai pensé à toi, parce que tu sais, tu m'as dit, oh, ton patron, c'est pas que je comprends pas, c'est que ce soit en français. Le truc est en français, je n'ai rien compris. Il a fallu que je regarde les projets des nanas pour qu'elles me montrent des photos pour voir comment fallait faire. C'est marrant, et c'est hein, à ce moment-là ça change complètement de... Ouais. Et j'ai dit, mais pourtant, c'était en français, je n'avais pas compris. Ouais. Le fait que ce soit un morceau, c'est moyen aussi. Bon, si le résultat te plaît à la fin du projet, c'est génial. Le résultat plaît. Et en fait, je trouve que pour une barboteuse, au final, que ça soit en morceau et qu'il y ait la couture sur le côté, en fait, ça va donner la forme à ton truc qui va un peu évaser... Surtout avec de l'alpaga, ça sera moins mou. Donc, il est fin, mais très chaud. Par contre, il y a beaucoup de boutons. Il y en a deux là, 4 en bas. Et pour les couches. Et là, les boutons bébés à mettre sur des trucs tout petits, où tu sais que si tu te foires ton truc, tu vas le trouver moche. Ouais, mais ça se défait un bouton, tu peux le remettre. Tu peux toujours le mettre. Ah, mais par contre, les détails de la... C'est qui la designer, tu te souviens ou pas ? C'est The Little French Knit. D'accord. Et d'ailleurs, je suis contente parce que j'avais posté sur Instagram, mais elle l'a reposté sur sa page, elle, ma petite photo. Ah, c'est sympa. Ah, c'est sympa. Ouais, ça fait toujours plaisir quand ils font ça, ouais. C'est clair. Donc, c'était taille naissance que j'ai pris. Il m'a fallu juste une pelote d'alpaca. Une pelote, la barboteuse, elle loge. Aiguille 3 mm et demi. Explication, et bah, empiècement, couture, mais bon, franchement, faut s'accrocher, mais ça vaut le coup. Ouais. Ça vaut le coup, ça vaut le coup. Oui, il est pas très simple. Il est pas simple. Et qu'est-ce que je dis d'autre ? Qu'il fallait des boutons. Ensuite, j'ai terminé un projet que j'avais déjà fait. On sort de la layette, hein, là. C'est... Oui. Ouais. Ah, j'avais pas vu finir. Ok, il est super. Le flip, le bonnet flip side de Maxime Cyr, qui est le deuxième que j'ai fait, sachant que j'en avais fait un autre qui est pour mon papa. Donc là, c'est un de mes cadeaux de Noël, tu vois. Cadeau que je vais offrir à Noël. Tu sais à qui, tu sais pas. Oui. Ah, bah, au futur papa. Donc chacun a déjà son destinataire. Et donc là, il y a une couture, hein, c'est bien ça. Il se tricote en morceaux. Exactement. C'est particulier pour un bonnet, hein. Tricoter. Mais d'un autre côté, ça rythme le truc. Ouais. Le fait que ça soit pas en rond, j'ai trouvé ça génial. Donc à peine je l'avais fini, que mon chéri m'a dit, tu sais, j'aimerais bien avoir un bonnet comme ça. J'ai dit, mais Théo, j'en ai déjà fait deux. Oui, mais bon, je l'ai exactement pas comme ça. Même. Exactement le même. Donc, il m'a traîné à l'atelier de la création pour aller chercher ses couleurs. Donc, j'ai déjà d'autres en route. Donc, c'est tenu en double. Alors, comment j'ai fait laine alpaca de drops pour la verte en double. Et c'est de la lima en simple que j'ai mis devant. Donc, c'est l'équivalent en fait.
totalement. Lima grosse. Simple égale alpaga double. Exactement. Alpaca. Mais tu sens que la texture, c'est pas la même. Tu vois, ça est souple d'un côté et plus rigide de l'autre. Alors, ouais. Ah oui, parce que la lima, c'est pas de l'alpaga. C'est de la laine. Enfin, faudrait qu'on regarde. Hein. Ça, j'ai plus l'étiquette. Ouais, l'alpaga est très très souple, effectivement. Ça, ouais. C'est doux quand même. Même la lima. Ça, c'est lima. Hein. Oui. Ouais, j'aime bien. Donc, c'est la taille 2 et les laines, c'est du 4 mm. Et je me suis plantée quelque part. C'est pas des côtes, ça. C'est des côtes torses. Donc, c'est des côtes torses derrière. Et normalement, autour, c'est des côtes 1-1. Mais je me suis plantée. Et j'ai fait des côtes 2-2. Le seul truc, c'est qu'il a fallu réfléchir pour sur les côtés que ça soit quand même symétrique. Ouais. Donc, c'était un peu challenge. Mais au moins, ça change de l'autre. Ouais. Donc on commence par là. On fait le revers. Tu montes le revers, ok. On continue en faisant que cette partie-là en aller-retour. En aller-retour, c'est bizarre. Donc il y a un grand trou béant dans le début du bonnet. Exactement. C'est ce que j'ai vu la dernière fois. Et tu reprends là en gris et hop, on reprend. Mais on coud après. C'est-à-dire que en faisant le gris, tu reprends pas sur le côté. Et en fait, tu pourrais presque. Un peu à la méthode Stephen West, aller chercher au fur et à mesure les mailles que tu... Ouais, mm-hmm. Je sais pas. Okay. Et après, c'est du duplicate stitch. Et après, tu fais une broderie au-dessus. Et là, j'ai pris noir. Duplicate stitch. So, voilà, je peux l'essayer. Oui. Il est encore un peu humide. Très bien. Il est un ça peu fait grand. Mec. Ça fait très mec. Ça fait quand même mec, ouais. Les couleurs sont bien choisies, hein. Bravo Lysandre, ça donne très très bien. Ouais. Bah écoute, c'est de la laine qu'on m'a offert à mon pot de départ de mon stage. Ouais. Un de mes collègues qui m'a offert ses pelotes de verte et je savais pas trop quoi en faire. Et en fait, dans un bonnet, il y a combien de pelotes? Donc il te faut deux pelotes d'alpaca vu qu'elles sont tricotées en double. Ouais. Et c'est un reste de pelotes lima que je suis allée chercher dans la boutique. La boutique perso. La boutique de maman. J'ai jamais tricoté de la lima, elle m'intrigue vachement cette laine. J'ai très envie de faire un pull au garçon. Moi j'avais fait une salopette pour bébé avec. Mm. Et en fait elle a un drapé qui est lourd. Ouais. Et ça tombe bien. C'est pas mal, hein. Ouais. En fait, là tu le sens qu'elle est lourde. Ouais. La lima, j'ai bien envie de l'essayer sur un ouvrage la lima. Voilà, pour la version de Théo, il a choisi, c'est de la... À l'atelier de la création, on a pris de la puna. Mais j'ai peur que ça fasse trop mou. Tu vois, parce que là, en fait, cette partie-là, elle est molle. Et c'est ça qui fait que ça tient bien. Ouais, donc ça va. Parce que ça et si tu mets alpaca et alpaca, j'ai peur surtout que ça fasse Enfin, en même temps, les coutures rigidifient aussi un petit peu, hein. Mais bon, écoute, de toute façon, tu peux lui faire un bonnet qui soit pas trop slouchy. Comme ça, on verra pas qu'il est mou, puisqu'il tiendra sur sa tête. Tu vois, il sera pas... Ouais. Donc, tu recommences pour un troisième, là? Oui, et puis un quatrième aussi. Cool. Je ferai peut-être un jour. Ça sera le cadeau de Noël de mon chéri qui m'a dit « Ah, ça serait bien que tu fasses aussi ça pour le Noël de mon frère. » D'accord. Donc, en fait, dans sa famille, tous les garçons vont même donner Noël. Moi, ce qui m'a arrêté jusque-là pour ce modèle en particulier, c'est les coutures. Il met un lien en disant bah voilà pour la couture faire comme ça et au final c'est où je suis trop contente, regarde. Ah oui, au final en fait ça fait vraiment un côté la laine, l'autre côté le même. Ouais. Et ça j'étais pas un peu fière, hein. Donc c'est bien expliqué, tu recommandes? Ouais. Ok, très sympa. À tel point que quand je suis allée en stage, quand j'étais en stage, j'avais ma collègue, une de mes collègues préf de préf, que j'ai mise au tricot. Ouais. Et en fait, on m'a dit, bah attends, on va faire ce patron-là ensemble. Et elle m'a envoyé une photo il y a quelques semaines. Et elle a réussi, débutante, toute seule à le faire, okay, sans que je l'aide. Ouais. C'est-à-dire qu'elle m'a jamais envoyé de message pour me dire, comment on fait, ouais, comment on Mais fait. Je pense que quand les gens, ils sont mordus, ils vont s'énerver comme ils peuvent pour le faire tout seul, mordu pour mordu, tu vois. Débutant compatible, ouais. Mais challengeant. Je pense qu'il faut que tu sois un peu challenge pour te dire, bon, allez, je vais apprendre la couture, je vais apprendre à être régulier en aller-retour, parce que là, si t'es pas régulier, ça se voit vite.
Je vais apprendre le duplicate stitch, qui est pas, je sais plus comment ça se dit en français, là, la broderie par-dessus. Oui. Ça, moi, je sais pas, je suis nulle. Tu sais, pour tes chaussettes, les stickers socks, il y en a. Ouais, alors bah, moi, la technique que j'ai, la technique que je peux donner, c'est que je commence par le haut, mm-hmm. par le plus haut de ma broderie. Et tu sais, quand t'arrives en bas, il faut que tu refasses une maille, donc il faut que tu repasses derrière. Oui, bien sûr. Sauf que je repasse derrière que celle qui est en noir. Je reprends pas la maille grise, là. Et en fait, en faisant juste en reprenant que la noire, ça fait que bah, y a que le noir qui va se mettre en valeur. Là, tu reviens toujours sur le noir, tu vas jamais sur... Et derrière, tu vois, okay. ça fait juste ça. Ah ouais, ah ouais. Donc derrière, ça fait que... Moi, j'ai pas rentré le fil. C'est quelque chose de super propre. Tu reviens toujours sur celle qui est déjà marquée, d'accord. Exactement, comme ça, tu mets en avant que le noir. C'est marrant, ça va bien avec ton jean, avec cette tu vois, c'est magique. Hey, hey. T'as du papier, je l'ai remonté trop haut. On voit pas les détails à la caméra, ça va. Ça va, alors. Ça va, puis on est entre filles, ça va. So, finish objects. Donc, ça m'a... Ouais, ça va. Sympa. C'était très sympa. Et puis, heureusement que je trouve ça sympa parce que j'en ai d'autres à faire, quoi. Il prend du temps quand même, ce poney à faire, non? J'ai l'impression que t'as... Au bout d'un moment, c'est... Bah, enfin, parce que tu faisais pas autre chose. Je me dis, bon, bah... En fait, les côtes vertes, il y en a, quoi. Ouais, c'est long. Parce que tu te dis, yeah, c'est cool, je sais pas, mais t'en as encore plein à faire en aller-retour. D'accord. Ouais, puis de la côte, c'est long. La côte torse est passée beaucoup plus vite parce que j'ai appris à faire les côtes torse sur l'envers. Ah, effectivement, j'ai jamais fait ça. Moi, je l'ai fait toujours. Et tu apprends énormément de trucs. Donc, il explique. Ou il faut que t'ailles voir. Moi, je savais faire, mais il doit expliquer vu que ma collègue a réussi toute seule comme une grande à le faire. Et t'apprends à faire, et c'est... Oui, parce que sur un rang en vert, c'est pas du tout la même chose, tu... Donc, mais t'apprends énormément de trucs. Puis très cool, moi. Donc lui, tu fais partie des Sheep and Dale, Maxime Cyr. C'est le barbu des Sheep and Dale. Non, il me semble pas. Si. Et je sais qu'il a un podcast, en français, et en français ou en anglais. Max Donetta. T'es sûr? Il a le podcast des garçons avec Vincent Deslandes. C'est ça. Mais je sais qu'il y en a un aussi. Donc voilà. Et ce qui me reste, bah, j'avais deux culottes pleines, tu vois, il me reste encore tout ça. Donc je sens que ça va finir à la fin. Et Lima, il me reste encore ça. Ah, voyons, je vais la toucher justement. Ah, mais elle est douce, hein. Elle est bien. Mmh. Ouais, j'en ai entendu beaucoup de bien de cette Lima, moi. J'ai jamais tricoté, mais j'ai. Bah, j'ai tricoté en blanc et en rouge. Et je trouve que la grise est la plus douce. Tu sais, c'est comme on disait, en fonction de la couleur, ça change beaucoup. Et la verte est quand même super douce. Ouais, mais ça, celle-là, elle est toujours hyper douce. Hein. Bah, non, la bleue. La bleue, pour la barboter, elle n'était pas douce. Et même après blocage? Non. Un peu plus, mais elle était pas... C'est bizarre, hein, comme la teinture peut changer la fibre. Enfin, c'est très bizarre, ouais. C'est sûr. Si, j'ai encore des trucs. Non, ben moi, je les vois, les trucs. Bien sûr que t'en as encore des trucs. Accrochez-vous, j'ai encore des trucs. C'est pas du tricot, c'est du crochet. Ah, moi, j'ai voulu essayer le crochet. Premier essai de crochet. J'ai voulu essayer le crochet. Ouais, ça y est, ça commence à me tenter. Je suis allée chez Action. Ah mince, j'ai pas de ciseaux. Je suis allée chez Action et j'ai trouvé ça, qui est un kit avec plein de tailles de crochet. Ah, je les ai. Je les ai, ceux-là. Moi, parce que ça, c'est pour récupérer les mailles. Moi, j'ai acheté ça avec tout ça. Crochet hook. Donc, moi, j'ai acheté ça. Et il y avait également de la laine. Donc, j'ai dit, bon, en gros, je vais prendre de la laine, du coton. J'ai trouvé également chez Action. Voilà. Coton. Je me suis dit, en fait, pendant que j'étais au Portugal, ça cogitait quand même. Je me suis dit, j'aimerais bien faire une pieuvre. En crochet, en me disant, tu sais, avec les tentacules qui tournent. J'en ai vu. Et je me dis, bon, bah, go, je vais regarder si sur YouTube, il n'y aurait pas un tuto. Et figure-toi que j'ai trouvé une nana super gentille en français qui montre étape par étape comment elle fait une pieuvre. Donc la nana, je la remercie énormément et en plus elle a pas tant de visionnage que ça. Pourtant, mais c'est une pépite. Moi, j'en ai fait trois grâce à elle et elle s'appelle l'atelier de Vanessa. Ok. Ah,
Je les avais pas vus, tu les avais cachés. Je les ai cachés. Sauf pieuvre numéro 1. Oh, j'en ai jamais tenu dans mes mains. Ça m'a toujours vachement intriguée, ce truc. C'est ce qu'on rêvait d'avoir quand on était petite et qu'on voulait avoir. Ouais. Alors... Donc j'en ai fait une, j'ai commencé un matin. Elle a une bonne tête. Ça m'a pris comme j'avais envie. Puis j'arrive là et la nana elle dit bon bah là on s'arrête, on met les yeux. Quoi? Quels yeux? J'ai pas d'yeux. Alors je regarde Théo, je dis Théo, on prend la voiture, on part. Il dit oh tu vas aller, je vais aller chez Cultura m'acheter des yeux. Je dis mais ça, on va prendre la voiture que pour aller chez Cultura, tu feras ça demain. Je dis, ah non, je ne pourrais pas dormir si elle n'est pas continuée. On va à Cultura. Donc on est allé à Cultura et les yeux pour. 2 euros, même pas, tu avais 5 paires, donc tu peux faire 5. De tailles différentes ou toutes non, les mêmes? Non, toutes les mêmes tailles, okay. Tu vois, c'est un peu marrant. Oui, ça vaut le coup. Et j'ai essayé de les retirer pour voir si c'était bébé compatible, impossible de les retirer. Ah ouais? Il y a les sécurités. C'est bien que t'aies essayé, t'es allée jusqu'au bout, t'as tout essayé. Oui, okay. J'ai essayé comme un homme mort. Bon, t'es contente? Et j'en suis hyper contente. Donc, je l'ai pas fait trop rembourrer, puisque comme tu sais, c'est du coton qui est assez serré. Je voulais pas que ça fasse genre un marteau, quoi, que ça t'arrive. Exactement, ouais. Donc la nana, elle a pas dit, mais moi j'ai rajouté un petit sourire parce que ça changeait sa bouille. Oui, c'est bien, un petit sourire. J'ai fait ça, ça c'est long quand même à faire. Hein. C'est vrai? Ça, tu commences par où? Tes premiers points crochets de toute ta vie, c'était là? Ouais. jamais fait. Donc roule, puis j'ai trouvé, attends, je t'ai pas pu faire de moi, je dis, oh, je suis régulière, c'est bien, continue. Elle te montre comment t'augmentes, elle te montre comment tu diminues, elle te montre tout, et t'as pas la recette par écrit, c'est vraiment par l'oral, et tu regardes. Alors j'ai l'impression que les crocheteuses, elles sont habituées comme ça, à garder des tutos, ou à suivre des tutos moins que nous en tricot avec les patrons. Moi du coup, je les ai écrits. Je me dis, à chaque fois que je m'en fais un... En fait, voilà. Et donc, maintenant, je l'ai écrit. Mais pour moi, il faut que tu le fasses une fois pour voir. Après, tu finis ça, tu les fais à part et tu les couds. Donc, une fois donc, que tu as fait... Oui, c'est ce que même les ventes du tricot, c'est que tu as un petit peu de couture hein, dans le crochet. Oui, il y a de la couture. Une fois que tu as fait tes neufs, tu as tout ça là, tu as le truc... Oh, je l'ai touché. Et tu veux que je te montre le truc où je suis fière. Neuf, ah oui. Je suis fière, c'est... De son trou. Le trou du cul de la pieuvre. Ben, ça fait trop beau. Non, c'est sa bouche, normalement. On en apprend tous les jours. Et tu vois, ça fait que mes... Une fleur. La tronche ou fleur, la bouche en fleur. C'est bien. Et du coup, je trouve ça trop beau. Mignonne. Et comme c'est pour une petite fille, ça faisait tout neutre comme ça. Je me dis, bah attends, je vais mettre une fleur. T'as crocheté encore? Donc j'ai regardé un autre tuto d'une petite fleur, qu'après après j'ai cousu dessus. Alors il paraît que le crochet fait mal aux mains. Au poignet. Ah, j'ai jamais osé mal à la main droite. Ah, tu vois, moi j'ai mal à la main gauche parce que c'est la gauche qui bouge. Oui. Et là ça fait mal. Bah voilà, ça fait mal. Alors les crocheteuses addictes, elles ont mal là, elles ont mal dans le poignet, j'ai vu ça déjà. Ouais. Et puis aussi la texture c'est plus belle. Donc ça c'est la version 1, la première, ma pieuvre. Et trop fière, je l'envoie en photo à ma maman. Je dis maman regarde ce que j'ai fait. Elle dit super, tu prends les commandes? Comment ça je prends les commandes? Oui, j'ai deux collègues qui en veulent. Allez roule. Du coup j'en ai fait deux. Il y en a une qui est déjà partie, mais ça c'est la deuxième avec des yeux cette fois brodés. Et je lui ai fait des petits cils. Oh c'est mignon. C'est marrant, on les voit plus à l'écran avec la distance. Les petits cils un peu féminins comme ça, tu sais. Ouais, bah et voilà, sachant qu'il y en a une deuxième comme ça et j'ai fait une étoile de mer. J'ai pris une photo, je la mettrai. Mais elle est déjà partie. Du coup, je me dis, putain, elles ont trois pieuvres. Moi, je voulais juste en faire une, je voulais juste essayer. Trop beau à faire trois pieuvres. Ouais, mais une fois que tu sais en faire une, c'est chouette de rentabiliser ce que tu as appris en faisant deux. Et Mamie qui me dit, tu prends les commandes? Bon, bah, je t'en commande deux. Donc, j'en ai encore deux comme ça à faire. Combien de temps tu mets pour faire... Enfin, ou même si tu tricotes... Une journée et demie, ouais. Mais moi, je fais les tentacules parce que je sais que c'est le truc le plus relou à faire. Et après, hop, ça, tu le fais d'une traite. Puis un jour, tu te poses et puis bon, et hop, je les accroche. Tu peux faire un mobile, tu peux faire plein de choses. Ça donne plein d'idées. Au final. Et en fait, la nana, elle crochette avec un crochet de 2,5. Et moi, comme ma laine, elle était épaisse, j'ai suivi les explications... Et j'ai fait du 4, parce que c'est de la laine qui se tricote en 4 et 5. C'est de la laine? C'est du coton. Bah,
Parce que j'ai découvert le podcast d'une dame qui est bergère et qui s'appelle Hélène Delphine. Nouveau podcast. Oui, je l'ai vu hier aussi. T'as vu, elle nous explique plein de trucs sur les propriétés de la laine. Mais de la laine, elle dit, il ne faut pas parler quand on a de l'alpaga entre les mains ou du mohair ou du coton ou quoi. On peut parler de fibres ou de fils, mais pas de laine. La laine, c'est ce qui pousse sur le dos du mouton. Moi, je ne savais pas. Je disais laine pour tout ce que j'avais entre les mains et qui se tricote. Ouais, je viens de le faire d'ailleurs. Mais tu viens de le faire. Et c'est une habitude qu'on prend de parler de laine parce qu'en anglais, on dit yarn pour toutes les fibres. En anglais, on n'a que fibre ou en français, on n'a que fibre ou fil. Ouais. Donc, faudrait mieux, on aurait tendance à dire laine pour tout ce qui se tricote. Mais elle a raison de nous dire ça. Yarn. Et là, c'est marqué fil de coton. Fil de coton. Elle s'appelle Florence. Allez la voir, Flo. Elle nous apprend plein de choses. C'est très agréable. Tu l'as vu aussi, donc, ok. Moi, je l'ai vu parce qu'on a regardé le podcast avec maman de O'Kill Tricote. Ouais. Qui l'a recommandé. Ouais. En fait, on a suivi. C'est peut-être là aussi que j'en ai entendu parler, ouais. J'en ai encore deux à faire. Attends. La nana, elle crochetait en 2,5. Moi, je l'ai fait en 4, donc les miennes sont plus grosses. Ouais, elles sont plus grosses, ouais. Mais d'un côté, okay. Comme pour un doudou. C'est mieux. Tu le retrouves plus facilement, si tu mets un c'est beaucoup mieux. Comme ça. Donc, c'est pareil. Enfin, c'est comme en tricot, c'est-à-dire que tu changes la taille des aiguilles pour changer la taille du projet. Oui. Ok. Et il faut que la fibre, elle suive. Oui, oui. Oui, il ne faut pas une fibre trop fine si tu as un crochet plus gros, exactement. Évidemment. Et tu l'as doublé ? Non. D'accord. Et les autres, elles seront de quelle couleur ? Du coup, il y en a deux comme ça. Ouais. Futur, deux comme ça. Ouais. Parce qu'en fait, chez Action, le temps que je me réveille, il ne restait plus que ça. Ou du rose. Sauf que je voulais quand même des trucs assez unisex. Mm-hmm. Et est-ce que tu peux utiliser autre chose, un alpaga de chez Drops ou autre chose ? Je ne sais pas. C'est peut-être pas terrible à nettoyer. Moi, j'ai suivi le coton parce que le coton, tu le passes en machine. Et parce que, je ne sais pas, ça a de la rigidité. Ouais, c'est pas mal. Attends, j'essaie de le squat des... De petites bébêtes. Ça va être une animalerie. Elles font pas trop de bruit, les pieuvres, ça va. Non. C'est intelligent, les pieuvres. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Oui, donc en fourniture, il faut des yeux ou alors les coudons. Et bien, elle explique aussi que tu peux les crocheter. Tu crochettes un petit disque et tu couds dessus. J'ai essayé, ça faisait pas. Oui, je vois le petit disque en question, j'ai vu ça, cette histoire de crocheter un petit disque dernièrement. Ça faisait pas beau, j'ai juste cousu les yeux comme je les coupe pour mes lapins. C'est-à-dire, je reprends, et puis jusqu'à ce que ça fasse une petite boule. J'adore l'idée de rajouter une petite étoile ou un petit quelque chose dans les cheveux. Je les ai prises en photo, j'ai fait un jeu de mots sur Instagram, j'ai écrit The Pool Party. Je les ai pas foutues à côté de la piscine. Excellent. Mais elles sont sur la petite serviette, toutes les trois derrière la piscine. Super. Donc en tout cas, un grand merci à la youtubeuse qui, grâce à elle, ça n'aurait pas été possible. Donc si vous voulez vous mettre au crochet, franchement, si vous voulez vous mettre au crochet, surtout n'hésitez pas, trop facile. Ça peut faire peur, la vidéo elle dure une heure. Mais tu fais. Et parce que c'est pas à pas, elle te guide et ça. Exactement. Te prend une heure, donc c'est en temps réel. Exactement. Bon, moi, si un jour je me décide à faire un granny square ou des granny squares, parce que Punch Soho, tu connais ? Oui. Ils ont sorti un. Là, j'ai vu ça dans mes highlights Ravelry. Mmh. Ils ont sorti un modèle de couverture super à faire avec des restes et une base crème blanche. Mmh. Bon, comme tout Pearl Soho, c'est tout à fait dans mes goûts, dans mon esthétique. J'aime beaucoup, c'est très sobre. Et peut-être que je me mettrai au prochain moment. J'ai voulu essayer et je suis bien contente. Ouais, d'avoir essayé. Je pense que tu vas encore me donner de l'inspiration là. Mais tu sais que moi je suis immobilisée jusqu'au. En fait, c'était 6 semaines et maintenant c'est 3 mois. Je ne l'ai pas dit dans mon podcast. Mais donc, 3 mois. 3 mois de corset, 3 mois allongé. 3 mois. Oui, j'y étais. On va mettre. La petite indentation de Astérix. Astérix et Cléopâtre. Mission Cléopâtre. 3 mois. 3 mois. Voilà, donc peut-être que le crochet est au bout du. Oui. Moi j'ai vu récemment que mon nombre d'abonnés avait augmenté. On est à 938. Ouh, on va passer à 1000. Et au 1000, on fera un petit. Un petit giveaway. Voilà. Et je suis allée rechercher du coup un set de crochets pour ajouter dans les lots. Tu prépares déjà tes cadeaux pour les 1000. Ouais, les plus gentils comme moi. Hein.
Moi, je fais jamais rien comme... Là, c'est la première, deuxième fois. Non, c'est peut-être la troisième fois que je le fais. Bah écoute, moi, ça m'a tellement plu, ce petit set de crochet. C'est mignon. En plus, il se forme. Ouais, c'est sympa. Donc moi, j'ai rajouté mon bric-à-brac. Il y a une aiguille qui traîne dans le mien et mes yeux. Et puis hop, tu fermes et puis voilà. Très sympa. Donc, les couleurs sont jolies en plus. Ouais, c'est fun. C'est la sortie rouge. Ah, le dessin. C'est fun. Donc voilà. Pieuvre, j'en ai encore deux à faire, c'est pas fini. Mais j'ai dit à mamie, on se calme, hein, ouais. On se calme. Mamie a dit, ah, mais c'est des projets, des cadeaux d'avance. Mais tu peux pas lui faire aussi autre chose qui lui plaira tout autant pour changer un peu. Et tu sais, mamie, elle te demande pas, elle dit, bon, bah attends que tu seras, tu m'en feras deux aussi. Oh, ça fait tellement plaisir que t'oses pas dire non. Dis, finalement, j'avais pas prévu ça dans mon programme. Ouais, mais profite-en parce que tu vois, moi j'ai. Plus mes grands-parents depuis le Covid qui a... voilà. Et quand ils sont là, c'est tellement bon. La vie est tellement meilleure quand ils sont là que tu peux lui en faire des plus. Ça m'a tellement fait plaisir que... Ouais. Ouais, elle me demande. Profite, c'est génial de voir ses grands-parents. Et mamie, c'est sympa parce que la dernière fois, j'avais fait des petits cœurs au tricot. Et elle dit, ah, bah, quand on aura 5 minutes, tu m'en feras un. Oui. J'ai dit, bon, pas 5 minutes. Hein. D'abord, ça prend pas 5 minutes, mamie. Puis au final, je lui ai fait, elle était à côté de moi, elle fait, ouais, super, on a mis un petit truc porte-clés, puis elle l'a sur son sac à main, le petit cœur et tout. Mais moi, tu vois, j'ai vachement mal à tricoter. Quand les gens me disent, oh, tu me feras un pull, on dirait que ça leur fait plaisir de me demander un pull. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Alors moi, maintenant, j'ai plus du tout peur de dire non. Non, bah... non, je t'apprendrai à tricoter si tu veux, mais je tricote pour payes. Moi. Ou alors tu payes et la laine et la façon, etc. Parce que c'est mon. Je dis non, bah moi je tricote pour le loisir, c'est mon loisir en fait, c'est pas mon métier. J'ai un boulot à plein temps, le reste du temps tout va bien, je gagne ma vie, j'ai pas besoin de tricoter pour. Tu vois, quelles cases apprennent à tricoter ? Oui, celles non, qui veulent qu'on leur fasse des trucs, c'est vrai, c'est à portée de tout le monde. Mais moi j'en ai à faire. Je dis moi, rien ce que j'en ai à faire. Toi t'en fais encore peut-être que bah, ça. Bah parce que ma papy, tu vois, et maman elle lui a fait un ridari. Et il m'a dit, oh, le disorange, j'aime trop. Ah, mais ça n'a rien à voir quand même pour les gens que tu aimes. Oui, c'est ça. Ah, non, mais non, lui, je suis d'accord. Demandé aussi. Et ouais. il m'a dit, écoute, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, oui, pour Noël, je t'en fais un, mais tu payes ta laine. Mm-hmm. Et il m'a dit, oui, pas de problème, je paye ma laine, on a regardé ensemble. Et du coup, toi, tu veux en faire un. Mamie, elle m'a dit, oh, ton magnolia, là, le gilet. Mais tu lui en as fait un. Mais je l'ai pas encore fait. Elle me dit, j'adore. Mais ça fait un an qu'elle me dit, j'adore. Ouais, elle cherche la couleur. Et là, je suis aux échantillons. Ouais. Donc, tu vois, mais j'ai dit, ok, mais laissez-moi le temps, quoi. D'accord. Alors, moi, je suis toujours ravie de tricoter pour les gens que j'aime vraiment et avec qui on met en place le projet de choisir les laines, le modèle et tout. Je l'ai fait pour mon oncle et ma tante avec beaucoup de plaisir. Avec ma sœur qui a récupéré le ranunculus bleu, etc. Mmh. Avec beaucoup de plaisir, mais c'est les gens de ma famille que j'aime très fort. Mais il faut que ça vienne de toi. Et puis il faut que ça vienne de toi. C'est ça. C'est pas la personne que tu rencontres dans un dîner et qui trouve que ton pull est très beau et qui tout d'un coup se met à t'en réclamer un. Non, mais non. Non. Ou alors tu payes le temps que je passe, le temps de voilà. La laine. Je t'explique mon taux horaire vu le niveau d'études en plus. Tu veux voilà. À bac plus 5, je t'explique. 400 balles, t'es sûre que tu fais toujours. Moi, il n'y a pas de problème, hein. 400 euros. Ouais. Et après. C'est ce que ça coûterait en plus. Hein. Dans ton podcast, là, tout à l'heure, tu nous as dit pour participer à ton concours, il fallait te dire ce qu'on a appris de tes podcasts. Oui. Et les inspirations. J'ai fait un truc qui. Je l'ai commencé il y a 6 mois. Et c'est en regardant un de tes podcasts, je me suis dit, je vais le faire. C'est le col, le sock head col. Le sock head cowl. Cowl, ouais, j'en ai une. Il est génial. De Kelly McClure. Le tien est plus réussi que le mien est trop court. Et dommage. Je l'ai vu dans le tien, j'ai fait oh, je veux. Il est trop, mais il est super joli. Et bien, j'ai vu ton podcast, je me suis dit, yes, j'ai un écheveau qui traîne de violet, c'est parti. Je commande sur Kalidou le violet. Mm-hmm. Qui n'allait pas du tout avec les chevaux que j'avais. Du coup, j'ai dit, maman, dans ta boutique, t'aurais pas un écheveau tout seul. Une balle de. Et elle m'a gentiment donné un écheveau de la bien-aimée. Ah. Donc un écheveau, d'accord, entier. T'avais gardé le Kalidou. Elle, on allait avec ça dans sa boutique et on a regardé qu'est-ce qui marche le plus. C'est trop beau. Et regarde-moi ça. Des petits. Alors, ce qu'il faut expliquer que j'ai appris récemment, peut-être que tu le sais,
Est-ce que tu sais comment on choisit son mohair par rapport à sa laine? Non. Il faut toujours que ton mohair soit plus foncé que ton fingering de base. Ah ouais? Ouais, jamais plus clair. C'est marrant, hein? Ok. Donc là, c'est bon, c'est le cas. Mais tu vois, le mohair, t'as deux couleurs pour moi. T'as la couleur du mohair et la couleur de la soie. C'est pour ça qu'il faut qu'il soit toujours plus foncé. Parce que la fibre de soie, elle prend pas bien la teinture et elle risque de vachement éteindre ton coloris principal. Enfin, ton... Ouais. Ta fingering. Okay. Donc, et du coup, je suis allée gentiment. Qui était un écheveau que je lui avais offert. Et là, vous sentez pas la douceur et le poids du truc. Elle est lourde, elle est belle. Et le seul truc que je regrette, c'est de pas avoir pesé avant pour être sûre d'y passer tout mon écheveau. Ouais, parce que tu commences les côtes et... Ouais, à un moment, elle dit pesez à ce moment-là, comme ça vous savez que vous êtes à la moitié et que vous avez encore ça. Ouais. J'avais tellement peur d'être en panne pour commencer les côtes de la fin. Ouais, je comprends. Ouais. Que du coup, il m'en reste, j'utiliserai, hein, for sure, mais... C'est quoi comme laine de chez Lena Moret? Non, la bien-aimée. La bien-aimée, c'est la soie. Alors, attends. Laine, la bien-aimée, c'est alors la Merino Super Soc, 60% Super Wash Merino et 25% nylon. C'est la première fois que j'en tiens en vrai dans ma main. De la vraie, de la bien-aimée. Mais qui vient de la boutique de Paris qui a récemment fermé. Donc voilà, et elle est trop... C'est beau, hein. C'est quoi son coloris, tu as dit? C'est le coloris Victorian Mauve. Bah oui, ça fait très victorien. C'est beau, hein. Et du coup, avec le shell, ça fait un petit... Enfin, avec le mohair, ça fait un petit côté chiné. Et tu vois, c'est marrant, il y a des petits bouts de rouge, de rose, de bleu. Regarde, ça rend beau à la caméra. C'est aussi, très super chiné. C'est marrant, ça fait très chiné, ouais. Il est plus mélangé en vrai, un vrai vie. Exactement. Donc ça, c'est mon châle qui était en stand-by, mais alors depuis 6 mois, 7 mois. Et tu m'as dit, allez go, faut que tu présentes des objets, je sais pas, alors on va finir plein de trucs. Allez, pour finir des trucs commencés, là. Alors, ce qui est super aussi, c'est que quand je l'avais fait, le mien, il pouvait servir de masque. Tu sais, si tu oublies ton masque et que tu sais plus trop, tu peux le mettre... Tu vois, moi, j'ai fait hyper épais. Si ouais, t'as bien fait. Le mien, pour que je le rallonge. J'ai fait un côté les côtes plus serrées que l'autre. Mm-hmm. C'est-à-dire les côtes qui sont louches, elles vont c'est en bas. C'est prévu, hein, dans le modèle. Ah, j'avais pas suivi. Ouais, et les côtes très... Bien sûr, pour les étaler plus et pour resserrer plus. Oui, oui, on dirait que c'est un tube, mais non. Je t'ai dit que j'avais acheté mon manteau rose et j'ai mis les deux à côté, rose et violet. Oui, parce que t'as des petits specs de rose. Donc, hyper cool. Pour quelqu'un qui part à Grenoble... Super bien. Pour Grenoble, ça ira très bien. Ouais. Ouais. Vous bien? Hyper bien. Puis c'est doux. Ouais. Bon, ça pour vos cadeaux de Noël, vous pouvez y aller, hein. C'est aussi vachement sympa à offrir, à fabriquer, on attend. Aiguille, 3,25 mois, il me semble. 3,25 ouais, c'est possible. Mais ça va vite quand tu décides pas de t'arrêter là et de le mettre dans un placard. Ouais, ça c'est un truc qui est fait en une semaine, tous les soirs un peu devant la télé, c'est faisable. Hein. Tu vois, dans ton podcast, on disait, ah bon, bah avec un écheveau solitaire, on peut faire ça avec un écheveau. Mm-hmm. Bah avec ça aussi, un écheveau solitaire. Et il faut pas hésiter à aller jusqu'au bout pour pas avoir ce... Parce qu'il peut être plus long, hein, qu'il peut le plus payer. Oui, c'est un peu dommage. C'est moi qui me suis merdouillée. Mais parce que quand tu vas dans des festivals de laine, enfin, ouais, autre, festival. T'as souvent envie de craquer pour un écheveau et tu dis, mais qu'est-ce que je vais faire avec un écheveau? Si c'est pour des chaussettes, ça va. Mais c'est, enfin, tu te dis quand même, mais des fois c'est 25€ l'écheveau, 25€ pour des chaussettes. Ouais, mais moi dans un écheveau, je fais deux paires. Mais du coup, toi aussi. Tu peux te faire, tu un peux beau, faire ça. Un, des beaux trucs, mais tu non, peux faire le beau bonnet que tu nous as montré tout à l'heure et tout, tu vois. Ouais, t'as besoin de 100 grammes. Ça fait plein d'idées. Ouais. Donc, top, top, top. Plein d'idées de petits trucs. Super simple, parce que t'as juste des côtes et une paire de jersey et des côtes. Niveau technique, il n'y a pas grand chose. Ça pour faut être régulier. Tu vois, moi j'ai ma copine Diane qui veut apprendre à tricoter, c'est ça qu'il faut que je fasse faire. En fait, c'est ça. C'est encore plus simple que les osloates, parce que les osloates, il y a des diminutions, des machins, là il n'y a rien. Ouais. C'est le principe du snood. Oui, mais les snoods, j'ai toujours eu du mal, parce que soit ils sont trop larges, et du coup le cou est là, soit c'est trop serré, et du coup ça ressemble à rien en bas. Et là, pour le coup, le fait qu'il y ait plus lâche en bas, plus serré en haut et beaucoup d'ampleur, ça fait plusieurs couches et du coup, t'as bien chaud. Et c'est doux. Ça tient dans le sac à main, tu peux avoir ça au cas
de Frima. J'ai un écheveau et deux pelotes de Moël. Oui, il me reste encore tout ça. Ok. Oh, ça gargouille, c'est terrible. Donc en fait, une pelote et quelques de Moël. Exact. Bon, mais si tu avais continué, tu aurais peut-être envoyé une pelote et demie. Peut-être, mais comme je n'ai pas fait mes devoirs. Donc c'est Victoria... que tu voulais des restes, hein, c'est surtout ça. Ça. Victorian Mauve pour la fingering et c'est Dark Purple de chez Kitty Moer de chez Drops. Perfect. Donc voici vraiment. Tu commences chez Kalidou la Drops. Oui. Bah sauf quand j'ai le temps d'aller à l'atelier de la création. Et qu'ils ont le truc que tu cherches. Ils ont le truc que je veux parce qu'ils font pas tout. Mais d'un autre côté, ça évite les frais de port sur Kalidou. Ouais. Mais d'un autre côté, c'est plus cher que sur Kalidou. Ouais. Donc il faut calculer. C'est vraiment budget Rikiki. Ouais, bah moi. Étudiante, enfin, même plus. T'es Oxane, ma sœur, elle va pas te dire, ah, oh, t'es chômeuse. Je dis, non, même pas, j'ai même pas de salaire, je suis bénévole au chômage. Et pour l'instant, t'es designer, de designer tricot, oui, déjà. C'est ça. Mais en fait, ça dépend du budget qu'on veut allouer au loisir créatif. Moi, je fais hyper gaffe parce que je tricote beaucoup. Donc, je pourrais pas, tu vois. Donc, mais ça des fois, avoir une pièce. Là, tu vois, c'est une pièce. Très belle. Que... Ouais. C'est my precious. Non, il en reste, je suis désolée. On arrive au... Non, mais c'est pas que je sois pressée, hein, c'est que je vois et j'ai hâte que tu m'expliques. Non, c'est que t'as faim. Non, j'ai pas encore trop faim. Ah si, j'ai faim qui gargouille, mais... J'ai les projets à moitié terminés. Donc, dans le projet à moitié terminé, j'avais présenté les chaussettes No Lean Sock. C'est ça qui m'a fait craquer pour les... Avec la magnifique laine de sur la rive côté laine. Et regardez ça, je sais pas si on voit que ça brille. C'est ça, quand je les ai vus la semaine dernière, qui m'a fait complètement craquer. Là, ça brille. C'est beau, la couleur est... Et super. C'est le coloris, mon précieux. Ah, ça s'appelle comme ça? Donc, un écheveau de 50 grammes, où on peut faire une paire des chaussettes No Lean Sock de Karen Ominitz sur Instagram. Je vais les qui faire. Est des chaussettes où on commence du haut, on fait des côtes, on fait ce magnifique talon. Incroyable. Qui ressemble du coup au nid d'abeille dont on parlait au début. Qui ressemble au nid d'abeille en brioche qu'on retrouve sur le Honeycomb Clutch de Petite Knit. Ouais. Tu sais ce petite trousse et qui fait sa lessée de la brioche? Non. Bon, mais ça veut dire que le Honeycomb Clutch, il est super difficile parce que c'est de la brioche. Ben là, c'est et qu'on brioche. Peut le remplacer par ça. Exactement. Donc et moi, c'est de ça toute façon, j'avais comme fait je sur faire... le pull du lapin. Oui, voilà, d'accord. Ouais. Donc, on fait ça. C'est incroyable. C'est la beau. Texture est belle, belle, belle. Jamais vu ça. J'adore ce patron, donc c'est la deuxième fois. Alors, ce qui est super aussi, c'est que ce soit resserré sous le pied. Comme on là, tu fais un aller-retour, tu reprends et tu resserres là. Ouais. Quand je vais avec la laine. Qui est avec des petites nuances, mais qui brille. Et ça rend super beau. C'est magnifique. Bon, j'ai encore la deuxième à faire. C'est pour ça que c'est à moitié terminé. Et puis, ouais, les laines de Virginie, moi, j'adore. Et puis, là, le brillant. Ben, je regardais, j'ai pas de laine qui avec autant de stellina. Parce que tu vois, normalement, la stellina, c'est un fil qui est dedans en plus. Ouais. Et là, c'est plein de petits fils. Et c'est pour ça qu'elles se voient. Mais même à l'écran, je crois qu'on en a... Elles sont beaucoup plus brillantes. Parce qu'il y a plein de... Plein de petits fils en plus qui sortent. Il y a la nuance de la couleur qui est superbe. La profondeur des couleurs est magnifique. Et ben, ils sont brillants. Ils brillent. Ouais. Et là, ça va être des pieds de superstar. Donc ça, il me semble que ça va être pour la boîte de bas de mamie. J'ai une boîte de bas à mamie, moi. Elle a de la chance. Trop beau. Ouais. Trop beau, trop beau. Donc moi, comme je les vois en vrai, je vais les faire aussi, les No Lean Socks, parce que quand on les voit comme ça, on peut pas... Et c'est fun à faire. C'est chouette à faire. Hein. Bah, c'est ça fun change. Et ça donne un côté... Bah voilà, une petite touche excentrique au patron qui, si tu mets ça, qui est quand même super, super simple. Ouais. Tu vois, ça fait très simple. Pour des laines unies, en fait, c'est bien d'avoir ce petit truc-là. Ouais, et il faut des laines unies pour bien voir, toi. C'est le game changer du patron. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi dans ce patron, c'est que ça ne va pas s'enfoncer dans le fond de la botte quand tu marches, quoi. Et que c'est comme un talon renforcé, et au final, ça te garde bien ton talon. Aiguille, ben moi, j'ai fait 2,25. Comme c'est de la laine artisanale, je baisse en aiguille. Taille, ben, 64 mailles, ma recette. Et explication, bah on commence de là, on va là-bas, hop, et on finit en crafting. Bien.
C'est mon, c'est ce que je, enfin, c'est ce que je préfère à cause de la fin des côtes. Mais j'aurais pu mettre sur les bloqueurs. Là. Grâce à toi, j'ai fait des bloqueurs. Tiens, en tiens, une inspiration de plus. Tu vois. C'est pas, j'ai rien inventé, hein, mais bon. Regarde. Bravo. Bon, ça crie un peu les couleurs. Et donc, tu vas évider là. Bah, en fait, au départ, c'est que j'avais pris celui de maman qui était évidé à certains endroits. Mmh. Mais elle, il est en solide son truc. Mmh. Et après, je me suis dit, si j'évide, en fait, il va perdre. Il va se tordre. Il va trop. Alors, moi, j'ai essayé d'en évider un et il s'est cassé au moment de plier pour couper. Ah, ouais. Donc, faut, ouais, je te déconseille. C'est beau. Il y a des marques. Mmh. C'est beau. Donc, voilà. Très bien. Il y a l'autre affaire. Et par contre, tu vois, j'arrive. À chaque fois, je fais un petit trou là. Alors, moi, je triche, ouais. Je refais un petit trou, un petit tour avec un peu de laine, un peu de reste de laine dans les trous du talon. Et en fait, c'est depuis que j'ai. Avec le talon intégré, il n'y a plus de trous. C'est pour ça que je vais continuer avec le talon intégré. Voilà. Je trouve ça chouette. T'as raison. Et voilà. Bien. Ça, je l'avais vu, mais pas fini. Je la trouve magnifique. Ça m'inspire énormément. Surtout que j'ai de la laine de chez sur la rive côté laine. Ah, elles sont belles. Elles sont belles, hein. T'as vu champagne. Mais je l'ai aussi champagne. Oh, champagne. J'ai aussi champagne. J'ai fini celui-là. Et là, j'ai une. Je sais plus comment elle l'a appelée. Je crois que c'est Pivoine. Un rose flash avec des paillettes. Un truc. Je crois que je l'ai vu sur le site. Bah non, t'as pas sur Instagram, mais sur Instagram, à chaque fois, elle met les essais qu'elle fait, les couleurs qu'il y a. C'est exactement pour ça que je suis pas sur Instagram. Moi je la vois au tricoter, à chaque fois elle est tricotée, elle arrive avec son panier. Ça oui. Et elle dit bon alors les filles, ah, oui. Voilà ce que j'ai. Ça, si elle veut... Alors ça en direct c'est montré et qu'on puisse prendre. Ça je veux bien. Attends, c'est tricoté, c'est quand même. Oh j'aime bien ça. Bon je te prends celui-là. Oh t'as pris cette couleur là. Ah bah il y en a plus. Là, je le commande. Il y en a plus. Non, c'est... Tu peux voir du coup ces essais en VIP au final. C'est ça. C'est bien sympa. Mmh. Deuxième. J'espère qu'un jour j'irai dans un tricoté. Vas-y, hein. Dès que je pourrais. C'est vrai que comme c'est sur. Comme c'est sur Insta que je crois que ça se parle par message. Ouais. Attends, je rate des trucs, hein. C'est aussi bien comme ça, parce que moi je me connais. Je passerai des heures sans regarder le temps. Enfin, tu vois, sans rien construire, quoi. Je peux pas faire ça. Magnifique! On a qu'une. Alors, oui, c'est pour ça que c'est dans les demi. On est dans les demi, des Tony prochains. Alors, ce sont mes chaussettes élastomères, donc le patron que j'ai fait. Excellent, moi j'adore ça. Ça m'intrigue énormément. Alors, il faut après absolument que j'arrive à le maîtriser toute seule, hein, puisque de toute façon, maintenant tu pars. Puisque tu pars. C'est mes chaussettes élastomères en laine de Madeleine et Philibert. Et je voulais absolument les faire, donc c'est pour ça que l'autre n'est pas fini. Pour qu'elle puisse être exposée au festival de Bouliac, où Madeleine et Philibert a un stand qui sera tenu par ma maman. Le 2 et le 3 octobre. Le 2 et 3 octobre, c'est ça. Donc vous pourrez les voir parce que c'est les nouveaux kits qu'a fait Catherine pour les coloris d'automne. Alors moi j'avais vu les deux petits écheveaux twistés dans leur petite pochette la dernière fois qu'on s'est vus. Et ces deux couleurs ensemble ne donnaient pas du tout la même chose qu'une fois tricotées. C'est fou. Je les avoir. Ouais. Et c'est assez osé de mélanger du caramel et du violet, mais c'est tellement beau. Et au final... C'est automne, ouais. Et ça c'est la collection automne. Et ça c'est la collection automne. Oh, c'est trop beau. Donc elle en a fait plein d'autres. Alors moi je connaissais la collection printemps, la collection été, et là elle a lancé les kits automne. Ouais, tu vois. Et le patron est aussi à vendre sur son stand en format papier pour celles qui n'ont pas Ravelry ou qui ne veulent pas... Ah, elles pourront récupérer le patron. Elles pourront acheter le patron directement au stand. D'accord. Donc elles auront tout le kit, le patron et les deux petits... Donc en fait, il y a besoin de moins de laine pour la rayure foncée que pour tout le reste. Hein. Exactement, et à la fin, dans tous les cas, il en restera. D'accord. À la fin, il m'en reste. C'est-à-dire que moi, si je fais la paire, il me reste encore assez de marron pour que ça fasse le violet d'une autre paire. Oui, d'accord, ok, pour faire les rayures d'une autre paire. Exactement. Ah, c'est génial. Mais du coup, t'arrêtes jamais, en fait. Oui. Tu peux... Oui. Ah, c'est excellent. Ouais, parce que moi je l'ai fait, j'avais fait une paire où à la place du caramel c'était blanc. Mm-hmm. Et bien j'ai pu le mettre dans des rayures avec des chaussettes kaki. Donc ça a fait kaki, rayure blanche de ma chaussette qui était blanche rayure kaki.
Non, rayure. J'avais fait rayure rose. Enfin bref, en fait, ça s'enchaîne l'une avec l'autre. Tu peux réutiliser l'une dans l'autre. Ok, c'est pas l'inverse. Exactement. C'est pas l'inverse, c'est réutiliser la couleur de fond dans une autre paire de chaussettes pour en faire et des rayures. J'ai vu que des filles l'avaient tricoté en mettant au milieu leur reste. Donc je me dis, c'est pas grave, s'il me reste de la laine de la bien-aimée, ça passera dans les rayures. Oui, oui, puisque c'est de la laine à chaussettes. Et il y a même des qui ont fait une rayure de chaque reste, pour des tout petits restes. Oh, c'est chouette. Donc en fait, t'as les deux pareils, pas pareils, mais t'as toutes tes petits fils et ils passent dedans. Alors tu sais que les petits fils, comment on les coupe quand il y a quand même plus... Toi, tu les coupes ou tu les fais suivre entre les rayures? Je peux montrer. Moi, je fais suivre. Tu fais suivre, ouais. Très bien. T'as pas de fil à rentrer. Super patron. Avec ma belle petite couture. Il y a le tuto hein, sur la chaîne de comment faire la couture. Ah oui, oui. Moi j'ai fait les sticker socks qui sont sur le même principe pour la bande là qui est pas un bord côte hein, mais pour le bord. Et sans le tuto, j'avais pas. Vraiment, il est hyper précieux. Ça, je vais aller le voir. Le tuto, il me semble dans le patron, je me suis plantée. Mais vous pouvez retrouver le tuto sur ma chaîne et également sur Ravelry. J'ai mis le lien sur la fiche projet. Ah, Ravelry, sur le lien. Non, mais c'est hyper précieux ce tuto. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Combo à retrouver au festival du coup de Bouliac, mais également au Knit It de Lyon, où je vais. Ah, mais oui, tu seras tout près. Parce qu'il y a deux stands de Madeleine et Philibert le même week-end. Mmh. Là-bas. Donc je vais au Knit It. Ah, c'est au même moment Bouliac et Knit It? Ouais. D'accord. Donc, je ne peux pas aller celui de Bouliac parce que j'ai celui de Lyon. Au Knit It, et moi j'y vais avec chérie. Mon chéri. Je vais y aller avec une petite copine, et puis elle m'a dit ah non, je viens pas. Et je disais à tout, genre, c'est bête. On arrive. Et il me dit, je t'accompagne. Moi, il me dit, par contre, on reste pas plus d'une heure. Ah oui, mais est-ce qu'il n'y a pas une jauge justement pour rentrer, mais pas pour sortir. Donc, on rentre entre 9h et 10h. C'est ça. Et après, il m'a dit, on part après. Et du coup, on avait prévu un repas pour être sûr que à midi, je sois sortie et... Bon, écoute, c'est mieux que rien. Et puis, c'est chouette qu'il t'accompagne. Non, puis comme ça, tu vas moins faire de folie de ton corps. De mes sauts, de mon corps. Donc voilà, moi, je les ai tricotés également en 2,25 parce que je tricote plus petit, avec des aiguilles plus petites, c'est de la laine artisanale. Mais ça, c'est chacun son truc. Et comme elles sont pour offrir, la personne voulait à une cheville très fine. Donc en fait, j'ai fait des aiguilles de 2 mm pour le bord, pour que ça soit encore plus resserré. Et un peu plus haut, pour qu'il y ait une plus grosse bande de resserrage. Plus grosse bande. Donc c'est plus gros et plus petit. Ouais, pour éviter que ça baille, quoi. Exactement, pour les petites chevilles. Bien sûr, c'est adaptable. Taille M, et puis voilà. Explication, petite Turkish Caston. on monte, on fait des rayures qui ont des épaisseurs différentes. On fait des augmentations, on fait le talon renforcé directement en partant de la pointe. Et après, on fait ce petit revers. Oh, Patrick Fell. Rappelle-moi le nom de ton patron là. Elastomère. Mais il doit cartonner, non, celui-là? Oui. C'est celui que tu vends le plus, j'imagine. Oui. Parce qu'on peut aussi utiliser des restes. Enfin, il est super adaptable, quoi. Et avec ce petit truc-là. Et tu peux aussi faire le revers d'une autre couleur avec le bout, tu vois. Genre, par exemple, tu fais le bout rose, tout le corps en une couleur, et refaire ça en rose. Il y a plein de solutions, il y a plein d'idées. Et moi, à un moment, j'avais pas assez de laine dans une de mes autres chaussettes. Donc, en fait, l'intérieur, c'est avec une autre couleur. L'intérieur du revers, hop, j'en ai pas assez. Je l'ai vu. Tu l'as présenté sur un de tes podcasts, je crois. C'était canon, cette idée-là. C'était génial. L'intérieur du revers, là, ça fait très chasse. Non, très golf. Très golf. Sauf, voilà. Qu'est-ce qui va se passer avec la batterie, là? Non. Batterie faible, ça avait marqué 30%. Bon, ça va. 30%. Et à tel point que mon chéri, il a dit, oh, c'est bien, je voudrais bien. Mais je me suis fait de 45. Combien de rayures? Je sais pas, pour le moment je suis dans le déni, mais j'ai oublié qu'il fallait que je les fasse. Et les coloris, j'ai pensé à prendre les petites étiquettes. Donc c'est le coloris Waterloo pour le caramel. Voilà. Et regarde, quand t'achètes des minis, ça fait des petites fleurs. Ah, oh, c'est chouette.
Hop, et c'est le coloris Sophia pour le violet. Voilà, voilà. J'ai jamais tenu de laine de Madeleine et Philibert dans mes mains avant. C'est très doux. C'est très doux. Et au pied, c'est très doux. Et donc, tu les as tricotées en plus petites. Oui. T'as raison, parce que c'est mou. C'est plus mou qu'une laine très industrielle qui est tirée, quoi. Qui exactement. Est... Ouais. Ça revient à la discussion qu'on avait dans le podcast oui, des mailles. Oui, on en a parlé dans mon podcast. On a... Pour ceux qui... on l'a dit qu'on avait tourné 2 épisodes. Bon, elles verront bien. Super. Bravo, Lisanne. Les voilous à finir. Mmh. Et ensuite, il me reste un projet à demi terminé, qui est un projet que j'ai designé, qui est actuellement en test. Voilà. D'inspiration portugaise, du Portugal. Donc initialement, un patron quand même très scandinave nordique. Exactement. Mais avec une inspiration des azulejos, c'est ça? Azulejos. Azulejos. Ah oui, mais en portugais, on dit azulejos. C'est ça. Alors qu'en espagnol, on dit azulejos. Je me fais prendre à chaque fois, moi. Donc, qui se commence, qui est actuellement en test et qui devrait sortir fin octobre. Tiens, je me demande si... Donc là, j'ai fait beaucoup de contraste, parce que si tu mets comme ça, on dirait les carreaux de... Les carreaux de ciment vernis. Bordelais Non, les trucs portugais. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, on est complètement là-dedans. T'avais une photo, tu pourrais illustrer. Voilà, oui. Que j'ai fait moi en gilliette. C'est de la gilliette en double, comme ça c'est beau, hyper épais. Ah, parce que elle est en double. Je me disais, elle est... Non, elle... gilliette, c'est en double parce qu'il y a deux couleurs. Ah, c'est l'intérieur, elle a l'air très épaisse. Et ouais. Comme je pars à Grenoble, le but était de faire des moufles très, très chaudes. Ça, c'est de la gilliette? C'est de la gilliette. Coloris, pas beau, il me semble. C'est son rouge. Ouais. Et moi, j'ai des petites mains, donc je les ai tricotées en petit. Et moi, je suis très, très contente de l'intérieur. Parce que je trouve que mon jacquard est quand même aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur. Regarde de loin là. Bravo. Donc voilà, à suivre, c'est les moufles hélices. Oh, qu'est-ce que j'ai doué, mais c'est dingue. Moi je reste, là je sais plus quoi dire en fait, je suis là, je regarde ça, je... Les moufles hélices, H-E-L pour le code de l'aéroport d'Helsinki en Finlande. Ouais. C'est ça. Et Lisse pour le code d'aéroport de Lisbonne, du Portugal. Bah pour montrer la jonction entre les pays du nord, scandinave, c'est ça? Pays scandinave. Et le Portugal où j'ai eu cette inspiration. Donc voilà. Et je suis en train de faire un peu plus sobre. Le détail du truc. Non, vas-y. Non, mais j'adore. Je suis là. Allez. Ouais, l'intérieur du pouce. Incroyable. T'as contrasté l'intérieur du pouce. C'est génial. L'intérieur de la paume. Donc là, je suis en train de faire avec ça. Où j'avais déjà commencé, mais c'était trop grande, donc je les reprends. Donc ça va être pas beaucoup de contraste, mais ça va être sobre. Ça va être tout doux. Elles étaient trop grandes. Alors que tu utilises la même laine? Tu t'es détendue de la mouffe? Non, j'avais commencé par là, c'était trop grand. Du coup, j'ai pris là-dedans, donc les plus petits, j'ai défait pour refaire là. Ok, donc 3,25. Moi, j'avais tricoté cette laine, exactement cette couleur-là, pour mon sumac. Et ben, je l'ai offert à ma cousine, j'ai oublié de leur dire. Je lui ai envoyé, elle est à Toulouse, je lui ai envoyé, elle est contente, elle le portera. Ça va. Mais cette couleur ne m'allait pas. Donc j'ai ça en ce moment, où j'en ai qu'une. Mais comme quand je design, en fait, à chaque fois, j'ai l'habitude d'en faire qu'une. Parce que j'ai la flemme de faire l'autre. Oui, mais là, tu vas les porter. Mais comme je veux les porter, il va falloir que ça se bouge. Tu vas porter ton prototype, si c'est et pas je bon. Et je serais contente, parce que regarde, là, ça ressort. C'est tes diminutions qui ressortent, ouais. C'est beau. Ça donne très bien, bravo. Donc voilà, affaire à suivre. Là, tu l'as bloqué? Non. Il n'est même pas encore bloqué. Ouais. Ça ira mieux, enfin, ça sera encore plus lissé au blocage. Et pour le blocage, moi j'utilise la même technique. Je coupe dans un set de table et à plat par terre. Très bonne idée. Bah, je dois les bloquer au fond. Donc ça, bravo! Nouveau à suivre. Design à suivre sur Ravelry. À suivre. Ça aussi, ça fait un super cadeau Noël. Hein.
Faut le dire. Moi. Oui, parce que en fait, on fait une moufle en deux soirées. Hein, et bien ça, si tu crois que je, c'est les restes d'un de mes pulls en plus. Là, je déstache, mais le rouge, c'était du stache de maman. De la boutique. Et elle fait rire parce qu'elle m'a dit que pendant le festival ce week-end, il y a une nana qui est venue la voir parce qu'elle était au stand de Madeleine et Philibert et qui lui a dit oh, je pourrais avoir l'adresse de cette boutique. Elle dit mais c'est chez moi. C'est chez moi en fait. Ah, ok. Oui, comme c'est un running gag, il n'y a que les initiés qui connaissent le gag de la boutique maternelle. C'est la boutique. Donc, il me manque les projets en cours, bah, mon offrir sweater qui avance. Mais je pensais que j'avais déjà pas mal de trucs à présenter, donc là voilà. Tu l'as pas emporté. J'ai aux côtes, il n'y a plus que les manches et puis roule. Ah ouais. Il y a tout le corps. Oui. Ok. J'ai fait le corps, donc on en parlera la prochaine fois. Si je suis en train de tricoter, bah, vous avez dû voir pendant le podcast de Emma. Des chaussettes de la nouvelle laine auto-rayante de sur la rive côté laine et la mienne, elle brille. C'est très brillant. À savoir que là, elle a été dévalisée pendant le Woolen Music. Ah! Et affaire à suivre pour ses nouveaux coloris, parce qu'à chaque fois, c'est des coloris uniques qu'elle ne refait pas. Oui. Donc en fait, c'est un petit côté unique, précieux. Ouais, c'est précieux. Et comment je fais? J'ai monté une pointe et le but est d'utiliser toute sa laine, puisque c'est une balle de 50 grammes. Donc de faire un long tube et après. Je couperai pour faire la pointe, je couperai pour faire le talon, pour être sûre d'avoir tout utilisé. Alors, c'est exactement ce qu'on voit dans le dernier épisode de Laines et Fils. Ok, je l'avais pas, Elle a inclus une vidéo à l'intérieur de son dernier épisode pour montrer comment elle coupe. Ok. Comment elle se retrouve avec deux chaussettes alors qu'elle avait un tube au départ, quoi. Parce que moi, c'est le bruit des aiguilles. Le bruit des aiguilles qui fait également de l'auto-rayon, donc c'est pour ça qu'elle expliquait cette technique, pardon. Sauf que elle, ses rayures sont plus larges, et là ça permettait d'avoir du coup des rayures toutes petites de. On a dit compter tout à l'heure. Deux rangs au lieu de 6, ou de 5. Ouais. Si vous voulez gagner la superbe laine de sur l'arrière-côté, il faut participer au concours de. Tricolibri pour les 2 ans du podcast Tricolibri, vous verrez ça sur ma chaîne. Oui. On se fait des balles de ping-pong. Oui. Donc ça, c'est Work in Progress, ça va être un grand tube. J'ai commencé hier. Donc je continue. Dans un tram, tout à l'heure, j'ai commencé hier. Moi, j'ai commencé hier. Oui, mais c'est ça. Et puis c'est vraiment, c'est bien. Tu tricotes tout le temps, toi aussi? Oui. Donc tu tricotes dans le tram? Oui. En venant, là, j'ai tricoté. Ouais. J'ai pu tricoter ou ça. Tu tricotes à table? Non. Moi, je tricote à table quand non, les parce autres... que je mange comme un petit porciné, du coup, genre. Je suis un enfant. Non, mais moi, mes garçons prennent des goûters que je ne prends pas, par exemple. Je tricote pendant qu'ils goûtent. Ok. Ou ils font leurs devoirs. Enfin, quand Edgar fait ses devoirs et que je suis à côté de lui, je tricote pendant qu'il fait ses devoirs. Mais tu vois, je m'assieds rarement pour tricoter. Ah, moi, je me mets dans le canapé et je tricote dans le canapé. Alors, en fait, tu sais pourquoi je dis ça? Et je pense que c'est aussi parce que j'ai oublié de le dire sur le podcast. C'est que j'ai des messages de gens qui me disent « Mais comment tu fais pour avoir une telle production ?» Déjà, je ne m'assieds pas spécialement pour tricoter, tu vois, c'est pas une démarche. Alors, de telle heure, je tricote, c'est pas inscrit dans mon emploi du temps, c'est un peu tout le temps. Dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours. Qui roule. Ok. C'est comme ça que tu arrives à faire un si long tube en un jour et demi, quoi. Exactement. Et un projet en cours, en fait, c'était mon anniversaire début septembre et j'ai reçu un super cadeau de ma soeur et de ma maman, de laine que je n'avais jamais tricotée. La pure silk de Knitting for Olive qui a été achetée à la mercerie de Marilyn. La lainerie de Bordeaux. C'est une belle couleur. Hein. Ils m'en ont acheté 3 en me disant écoute, tu feras ce que tu veux, soit le top de Petite Knit, soit le nouveau top de Elong avec Anna. Et je me lève parce que tout mon bordel est là. Et j'ai choisi de faire le nouveau top de Elong avec Anna, celui-là. Très bien, c'est adorable, les petites bretelles avec les petits nœuds, j'adore. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça. Et comme je t'avais dit, je ne monte rien tant que j'ai pas fini, mais en fait, comme on l'avait offert, et puis que c'était là, et puis qu'après il était éparté. Oh, ça comptait pas. Voilà. Ah ben non. J'en suis là. T'as commencé quand?
Je sais plus. Et ça, c'est que de la pure silk, hein, elle n'est pas doublée oui, du tout. Non, toute simple. Oh, c'est marrant cette texture. Hein. Et apparemment, la dentelle va prendre 1,5 cm. Ouais, au donc, blocage. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que. Attends, qu'est-ce que j'avais vu moi sur la pure silk dans sa façon de le porter, tu vois. Tu vas avoir un très beau drapé. La dentelle, elle va complètement s'ouvrir au blocage. Et c'est. Je pense que c'est une des fibres, je crois, sans dire de bêtises, hein, qui est la plus agréable à porter quand il fait très très chaud. Ben, en tout cas, c'est la première fois que je tricote ça, la première fois que je tricote de la knitting for Olive. Enfin, oui, c'est un petit marqueur de Lil Wiesel. Quand j'étais en Paris, dès que j'y allais, j'en prenais un ou deux. Puis j'en ramenais à mon maman. Bon, mais très bien, super. Ça, c'est en toute petite aiguille, non ? C'est 3, du 3,25. Ouais, bravo. Donc voilà. Et elles ont bien choisi. Elles ont choisi la couleur sans te demander ? Exactement. C'est bien mignon. Non, puis on disait, ouais, avec un jean ou un top noir, ça sera bien. Seul truc, c'est que moi, j'aime pas du tout qu'on voit les bretelles de soutien-gorge. Je suis team, je ne veux pas qu'on voit. Et comme là, elle montre que ça se voit. Et elle propose une version plus large de bande sans nœud. Donc, c'est-à-dire, il n'y a pas de nœud. Je vois, d'accord. Et ça fait comme ça. Ça me dérange tellement. Voilà, donc c'est caché. Ça me dérange tellement que je pense que je vais faire la version sans les nœuds et juste avec la bande. Ouais. Parce que j'ai pas envie de faire quelque chose et je me dis, bon, bah, je ne le porte pas parce que ça me gêne. Après, c'est bien d'avoir un soutien-gorge sans bretelle dans sa collègue de soutien-gorge pour ce genre ouais, de choses. Ouais, mais moi, ça tient pas. Ça tient pas ? Moi, ça tient. Ça tient pas. La nature m'a trop fourni. Ça ne tient pas. Moi, ça va, ça tient sans problème. Ça tient pas. Et sinon bah, du festival de ce week-end, maman m'a gentiment ramené cet écheveau coloré. De Madeleine Fulbert. On dirait un peu des unicorns. Ouais, on dirait des unicorns. Après, ça me fait penser au coloris qu'il y a dans la guimauve aussi, tu sais. La guimauve ancienne. Comme de... Et avec moi, on trouvait que ça ressemble aussi un peu à une de la bien-aimée avec des splatchs de toutes les couleurs qu'elle a, ses gris. Mais je connais pas la couleur. Donc, c'est vraiment sympa. Comme ça change d'un endroit à l'autre si de l'écheveau. Hop, t'as vu, t'as plein de bleu là. Très beau travail. Coloris Terre Inconnue, donc c'est-à-dire c'est un essai de Catherine et pour le moment il peut pas être reconduit. Il n'est pas référencé pour l'instant. Voilà. T'as de la chance. Oui. Encore une pièce unique. Tu vois, je suis en no, j'achète pas, no buy, mais bon, entre la boutique, les cadeaux de maman, les cadeaux de ma sœur et tout ça. Ça finit toujours par arriver à toi, on se demande bien comment. C'est comme les cigognes qui apportent les bébés, on ne sait pas trop comment. La laine arrive quand même. Ouais. Voilà. Moi, j'ai un gros déni, hein. Un gros déni de ce côté-là, c'est-à-dire que j'ai l'impression de ne pas acheter. Tu vois ce que je veux dire ? Mais en fait, si, je me rends bien compte que ça va. Eh bien. Oui. Moi aussi, j'ai un qui brille, celle-là. Puis on peut faire le contrastant comme t'es sur la rive, côté laine, champagne et romantique. Je l'ai montré dans mon podcast. Oui, je te disais, regarde, ça fait plein de palettes. Il y en a plein. Voilà, c'est trop précieux. Quand c'est trop beau, j'ose pas tricoter avec. Et puis en plus, c'est vrai que quand tu les tricotes, ça fait toujours une façon. C'est toujours différent. Moi, je sais que j'aime beaucoup comme ça, mais je me dis tricoter, ça va être encore différent. Puis en cake, ça va être encore différent. Ouais. Mais j'ai pas envie parce que j'aime comme ça. Ouais. C'est beau à garder, hein. Ouais. Et ben là, j'ai dû profiter du, c'est quoi, le truc qui tourne en bois là. Le dévidoir et le bobineur de maman, parce que comme je pars à Grenoble et j'en aurais pas, tous les écheveaux que j'avais, je lui ai mis. Et j'en ai fait 9 écheveaux, 100 grammes à chaque fois, bah, pour partir avec, pour faire mes pulls et tout ça. Mais l'épaule, elle est tombée à la fin. Parce que tu guides ton fil, toi, entre les deux. Et moi, je le tire pour que, en fait, le cake soit plus serré et plus joli. Alors, méfie-toi parce que j'ai vu aussi que de laisser longtemps la laine en cake, surtout quand ton cake est très serré, ça a tendance à la distendre et à changer son échantillon. Et même à lui faire perdre un peu de ses propriétés.
elle aime pas trop ça, pas trop longtemps. Puis surtout que je pense qu'elle a pas dû aimer, c'est que là elle est dans un dans une poche d'aspirateur. Donc là je la maltraite un petit peu. Peut-être que non, au contraire, ça va réduire la, le. Bah je sais pas, ouais, parce que bah comme on déménage et qu'on déménage dans la petite Clio de chérie, et qu'il faut que mes habits, ses habits, son ses skates, son truc, nos affaires de d'hiver, parce que du coup on va skier. Il faut que tout passe, la couette, les machins. Non, mais peut-être que ça vaudrait le coup d'envoyer un gros carton avec Télène, par exemple. Bon, avec écoute, c'est comme ça, et quand tu les... Ça, c'est Télène ? Télène, elles sont grandes comme ça, comme ça ? Ça, c'est juste la partie que j'emmène à Grenoble. Il y a encore celle qui reste à porte de... Je suis dans le déni, je te dis. On est dans le déni. Bref, voilà, voilà. Ah, 1h20. Ça va être l'heure ? T'as fini ? T'as fini ? Bah écoute, oui. Le panier. C'était bien. Oui, c'est fini. J'avais beaucoup de choses aussi. Oh, il y avait du contenu, c'est bien. Moi, j'aime bien les podcasts où on nous demande des trucs. Alors attends, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 trucs à montrer. 10 patrons différents. Et est-ce que tu as des projets ? Oui, finir, parce que j'ai envie de finir plus de trucs. Est-ce que j'ai envie de faire le Illuminate d'Andrea Mori. Le pull, ok. Que j'ai acheté ma laine, donc qui sera en yaké soie non teint et en noir flashy, rose flashy de Madeleine Affilière. Oui, je l'ai vu. Est-ce que je vais faire le Mysterical de Steven West avec toi aussi. Donc okay. Ça, j'attends que... Mes pelotes arrivent. 8 octobre, on m'a dit, non, 2 octobre. Oui, il me semble que c'est 7 ou 8. Mm. Donc j'ai ça. Et je veux mettre ça. Je veux mettre ces deux trucs-là, donc il faut absolument que je termine quelque chose. Bah, il faudrait terminer les paires de chaussettes, comme ça tu pourras les porter. Ouais, mais non, elle va dans la boîte de bain de mamie. Enfin, je sais pas. Les chaussettes, en ce moment, j'en fais, puis je mets dans une boîte en me disant, bah, je sais pas laquelle je garderai, laquelle va pour rhume. On a des problèmes, hein. La boîte à cadeaux, la boîte où je sais pas ce que je vais en faire. Ouais, mais c'est facile, parce que tu vois, t'es invité chez des gens, t'es invité chez Alexia à Lisbonne, bah, tu ramènes des trucs tricotés. Ouais, moi, je le fais quand je sais que la personne est knitworthy, hein. Quand je sais que ça va être très apprécié pour ce que c'est comme boulot. Ou quand... Ouais, ou que je dis, oh tiens, j'ai fait ça, oh elles sont trop belles. Mmh. Tu as une réaction de l'autre côté. Là, t'as une réaction, ouais. Mais je suis ravie aussi d'offrir de ce qu'il y a dans ma boîte de bain. Tu gardes pas tout ça pour toi, ça fait beaucoup. Quoi. C'est pour ça que je me suis mise au Musclebug Hat. C'est pour avoir un petit projet qui court, sans réfléchir, mais sans continuer à accumuler des chaussettes comme ça, parce que je crois que j'ai 24 paires de chaussettes que j'ai encore jamais portées. Ben, moi, je pense que là, à Grenoble, je suis pas prête. Il va falloir vraiment les porter tous les jours. Je pense que je suis encore dans le déni de me dire oh, ça va être l'été et tout, je fais des petits tops. Non, là je suis partie dans mon sac, il y a tous les pulls les plus chauds. Puis je suis allée encore chez Uniqlo acheter des t-shirts qui étaient. Dessous, là, qui gardent la chaleur plus. Tu vas voir les jours seront. Toi tu pars la semaine prochaine, les jours seront plus courts aussi à l'est. Rien à l'est. Puis en plus, c'est dans une cuvette, donc tu vois encore moins le soleil. Il y a les montagnes à droite, les montagnes à gauche. Vive le ski, le feu de cheminée, le tricot. Voilà. Et ben, moi, je vous retrouve là-bas. Ah oui ! On voyage. Tu nous montreras tes images, d'accord ? Oui. Oui. Et ben, merci beaucoup. À la prochaine fois. À bientôt sur nos podcasts respectifs. Oui. Merci Lisande pour toutes ces belles choses que tu nous as montrées. Ben, merci beaucoup. Ouais, c'est. Lisande. On va ça avec ma mère. Mettre des fautes dans les prénoms, c'est. Et ben à la prochaine fois. Bye. Bon tricot. Bye.